FM. Le petit monde d'Anthony. Bonjour Anthony Ruiz. Hello les copains. Coucou Antoine. Alors on va commencer ce matin avec une revenante. Tout à fait. C'est Christine Boutin. Cette bonne vieille Christine, ancienne femme politique, opposée, souvenez-vous, au PACS et au mariage pour tous, mais mariée à son cousin Germain. Allez comprendre. voilà. Elle a un avis bien tranché, elle, sur Emmanuel Macron. Monsieur Macron, je l'ai dit dès 2007. Est possédé par le diable. Bah, ça va mieux, Christine, en tout cas. Hein, ça fait vraiment plaisir. Hein. Du coup, on suppose, d'après ses calculs, que Brigitte Macron, c'est Belzébuth. Et qu'à l'Elysée, eh bien, c'est vraiment la fête. Je suis vampire et là. Voilà. Ils doivent vraiment s'éclater, en tout cas. Très belle imitation. Je vous remercie. Ravi, en tout cas, d'avoir eu de vos nouvelles. Ouais, exactement. Un peu d'amour avec Claude Lelouch. Immense réalisateur, hein, bah, Claude Lelouch, dont le nouveau film, finalement, est sorti mercredi en salle. Claude a eu beaucoup de femmes dans sa vie. Il a 87 ans et il fait donc un bilan sur l'amour. Les femmes mariées devraient remercier les maîtresses. Hein. Ouais. Il y a des retours impressionnants. Je veux dire que très souvent, quand on va ailleurs, on est content de rentrer à la maison. Hein. Bah écoutez, nickel. Je vais donc appeler sur le champ toutes les personnes avec qui mon ex m'a trompé pour leur dire merci. Vous m'avez bien rendu service. Voilà, gros bisous, je vous embrasse. Alors, heureusement, nous, on n'était pas mariés, hein, parce que déjà, j'ai plus de PEL, donc je vous laisse imaginer. Ça aurait été compliqué. Un peu de voyance. Bisous. Maintenant. Ouais, voyance avec Candice Attias. Je ne sais pas si vous connaissez, qui se présente sur Instagram comme l'œil de la vérité, de la connaissance. Elle est très présente hein, sur les réseaux, mais attention, ce n'est pas une voyante comme les autres. Donc, bien sûr, tous ceux qui ont leur rendez-vous déjà pris, merci de ne pas modifier. Évidemment, les voix ne descendront pas pour vous maintenant. J'aurai rien à vous dire, évidemment. Et après, votre rendez-vous sera annulé, non, bon, ça, je vous l'ai déjà dit. C'est vraiment Tati Daniel, quoi. C'est, elle est voyante, mais maîtresse SM aussi. Un peu Amanda Lear, ouais, aussi. Hein. Et si t'annules un rendez-vous, vraiment, elle peut te fouettasse sans problème. Mais attendez, ouais. J'ai mieux. On m'a demandé, mais qu'est-ce que vous faites encore dans la vie? Je n'en peux plus de vous dire que je prédis l'avenir. Vous êtes une classe de camp comme jamais j'ai vu de ma vie. Je n'en peux plus. Oui, j'ai changé le vernis. J'ai fait une petite French. Je vais écrire ODLC. Évidemment. Le pire, c'est qu'elle joue pas un rôle. C'est une vraie personne. Vraiment, c'est passion. On va terminer avec la phrase du jour. Oui, j'ai retrouvé. Vous savez, la dame qui s'occupe des anniversaires. Ah oui. Ouais. En fait, alors, on a organisé un autre. Ma nièce, elle m'a fait appel à moi pour faire son anniversaire. Et là, on est tous réunis avec la famille. On est content encore d'organiser son anniversaire. Allez, au revoir, mes abonnés. Au revoir. Qui dans l'équipe fait son anniversaire bientôt? Parce qu'on a quelqu'un qui pourrait l'organiser. Ah, on pourrait faire une belle fête. C'est l'anniversaire de qui? C'est l'anniversaire de qui? Merci Anthony. Anthony Ruiz sur RFM. C'est tous les matins à 7h35. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Puis le podcast qui va arriver dans quelques minutes.